Accès aux soins. L'hôpital de Goïtafla est malade. L'accès à des soins au centre de santé urbain de Goïtafla est une équation dont peu d'habitants parviennent à trouver la réponse. Le président Alassane Ouattara a fait de la santé l'un des axes majeurs de son programme. Une année de la santé a même été décrétée et d'énormes progrès ont été faits, aussi bien en termes de réhabilitation et de construction d'hôpitaux et centres de santé que de revalorisation salariale des personnels de santé. Le gouvernement poursuit ses efforts d'amélioration du plateau technique et des conditions de travail du personnel de la santé. La contrepartie demandée à ces derniers étant plus de professionnalisme et de qualité du service rendu aux malades. Je suis sage-femme. Bon, ça vaut pas un an que je suis ici. Voilà, j'ai fait une permutation. Bon, ici nous sommes deux sages-femmes. Il y a une qui a été mutée au mois de février, puis il y a une nouvelle qui est venue. Voilà. Donc on travaille. Au début, on faisait 40, mais ça nous pesait, puisque nous n'avons pas d'aide ni de fille de salle. Donc c'est difficile, parce que le centre est fréquenté. Bon, je suis Boyeloudri Hortense, fille de salle à la maternité de Goïtafla. Bon, je suis ici depuis 1980. Et concernant la maternité où je travaille, bon, avant le déroulement du travail, il y avait une sage-femme et moi. On travaillait ensemble jusqu'à l'arrivée de... Après, les gens ont vu que c'était... La sage-femme exprimait la fatigue. Maintenant, ils ont... Sur le fonds propre du centre de santé, ils ont demandé à... fait venir une aide du nom de Nina. Maintenant, quand elle est venue, peu après, ce fut l'arrivée du médecin docteur Kwame. Donc, ils ont libéré la fille. Le centre de santé urbain de Goïtafla, localité située à 400 km d'Abidjan, rame à contre-courant de cette dynamique nationale, devenant ainsi une tâche sur la copie élogieuse de Raymond Godo Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Où se soigner ou accoucher, telles sont les angoisses quotidiennes des habitants de Goïtafla. Situation pour le moins incongrue pour une localité disposant d'un centre de santé urbain, CSU. Un jour, il a envoyé sa femme chez nous, à la maison là-bas. Donc, effectivement, la nuit, la femme enceinte, la nuit, son ventre la faisait mal. Donc, on l'a pris pour l'envoyer à l'hôpital, chez la sage-femme. Donc, dès qu'on est arrivé, elle était là, elle s'est mise, un coup comme ça, elle a commencé à parler que non, qu'elle est fatiguée depuis le matin, elle a commencé à travailler, qu'elle ne peut pas regarder la fille. 29 mai, j'étais à la maison. Il y a une femme et son mari qui sont venus me voir. Elles ont dit, bon, la femme dit qu'elle perdait des os. J'ai dit, allons vite à l'hôpital. Donc on est venu, la sage-femme dit que dès qu'elle nous a vus, elle dit qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée de travailler, qu'elle va partir à la maison. Que le médecin dit... Toute femme qui arrive ici, de les référer sur Zionou là. Le lundi passé à 1h30, c'est ma camarade, celle qui est là-bas. Son ventre la faisait mal, elle m'a réveillée. Elle est de l'accompagner à l'hôpital. J'ai dit à une amie de son mari, le voilà, il n'a qu'à la déposer avant moi. Le monsieur a pris la femme de son ami pour la déposer. Moi, je les ai suivis. Arrivé là-bas à 1h40. La femme a tapé la porte de la sage-femme. Plus de trois fois, elle n'a pas ouvert le portail là. Elle s'est assise devant sa troisième escalier là. Frappé le portail là, elle n'a pas ouvert. Monsieur, quand elle est venue, elle voit qu'elle est venue. Elle est venue, comment est-ce que tu es là?
Awa m'a appelé pour que je l'accompagne à l'hôpital. Nous n'avons pas trouvé la sage-femme sur place quand nous sommes arrivés. Nous sommes donc partis frapper à la porte de la chambre de garde pour voir si elle y était. J'ai frappé à 3 reprises sans qu'elle n'ouvre la porte. Je suis allé ensuite voir le gardien afin qu'il aille appeler la dame. C'est ce dernier qui nous a appris qu'il a reçu inscription d'orienter toute personne qui vient à l'hôpital vers le centre de santé de Zenola. Moi, c'est arrivé, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé 3 fois. Elle n'a pas décroché. Un peu de temps, le gardien est venu dire que la sage dit qu'on n'est qu'à partir à Jonla. Elle a demandé autorisation à le directeur, que le directeur d'ici, les patients qui viennent ici, n'ont qu'à partir à Jonla. Donc moi, j'ai dit à ma camarade, n'est qu'à se lever, on va partir. Elle ne pouvait plus. L'enfant venait déjà. Donc moi, j'ai couru pour aller chez la tante, il y a la tante Hortense. Et j'ai allé la voir, elle a frappé le portail là. Elle a ouvert le portail. Elle dit, ah, elle est pas parce qu'elle est la paix de son nom. Je dis, ah, pardon, faut venir parce que l'enfant venait quand moi je sortais là-bas. Il n'y a personne, moi je ne peux pas faire quelque chose là-bas. Donc, elle n'est qu'à venir nous aider. Elle s'est réhabillée, sortie. Le mari de la femme a pris sur moto pour aller la déposer devant moi, arriver là-bas. Moi, je suis parti derrière et je suis parti trouver qu'elle a déjà coupé. Elle voulait couper le cordon, mais il n'y a pas de ciseaux à l'hôpital là-bas. Elle a tourné, il n'y a pas de ciseaux. Elle a pris quelque chose, elle est venue couper. Moi, j'ai pris mon pain, elle est déchirée. Il a attaché le truc là. On l'a déposé l'enfant. Elle a nettoyé la maman maintenant. Donc, elle nous a dit de partir à la maison, mais il ne faut pas qu'on va dire elle son nom parce qu'elle a peur. Nous, on a dit, on a compris. Elle a nettoyé la femme. Elle dit, le lendemain, on n'a qu'à venir derrière la sage, qu'elle n'a qu'à donner le médicament parce qu'elle a trop saigné. Donc, le lendemain, on est venu à 10h. À 12h derrière la femme. Elle nous a dit, il a demandé, il a dit, quand elle frappait la porte, tu n'as pas entendu. Elle a dit, oui, j'ai attendu. Mais il était fatigué. J'ai dit, ah, je t'ai appelé 3 fois, pourquoi tu n'as pas de courage? J'ai attendu. Tu as appelé jusqu'en portant la sonnerie, quand il était seul là-bas. Je ne pouvais pas. Et le directeur m'a déjà dit si quelqu'un vient de l'envoyer à Jonla, parce qu'il était fatigué. Elle a pris l'enfant pesé. À 12h, elle a pris l'enfant pesé tout. Alors que l'enfant était déjà mort dans le monde. Non, on ne savait pas. Comment peut-on se plaindre du manque d'hôpital quand on en a un près de chez soi? Une visite au CSU permet de prendre la pleine mesure du problème. L'hôpital de Goïtafla est dans un état de coma profond. Les locaux et le personnel ne répondent plus. En effet, ce CSU, qui n'a pas de clôture, est devenu l'aire de repos et des ruminants de la ville. Les moutons y divaguent en permanence. L'insalubrité des locaux ferait pâlir de jalousie les toilettes publiques d'une gare routière. Si le malade survit à ses premiers reposoirs, il doit alors prier pour qu'il y ait un agent de santé présent. L'absentéisme du personnel et leur manque d'enclin à recevoir les malades est l'autre particularité de CSU de Goïtafla. Bon, je me rends à l'hôpital. L'hôpital est vide. Il n'y a même pas un agent de travail ici. Les infirmiers, tous ceux qui reçoivent l'homme ici, personne. L'hôpital est vide. Ce n'est que les moutons seulement qui sont en train de se promener dans la cour de l'hôpital. Le management du docteur Kwame Lambert, le premier responsable du centre, n'est pas fait pour arranger les choses. Il ne donne pas le bon exemple à son équipe. Le médecin reçoit uniquement les vendredis. Les autres jours, il est à son domicile. Seule la délivrance d'un certificat médical ou d'un certificat de décès peut le faire venir au bureau. Ne croyez pas que ce soit par compassion ou altruisme. Ce sont les espèces sonnantes et trébuchantes
qui le mettent en mouvement. Ses prestations sont facturées à près de 25 000 francs CFA. Par ailleurs, les populations de Goïtafla sont unanimes. Le docteur Kwame est le problème du CSU. Même ses collaborateurs sont offusqués par ses méthodes peu orthodoxes. Les querelles entre lui et les infirmiers à propos de la gestion de l'hôpital, des équipements et de la mise en place d'un comité de gestion COGES ont entraîné le départ de ces derniers. Ces derniers qui ne digéraient pas que le médecin garde pour son usage personnel les motos et les congélateurs ont demandé leur affectation en bloc. Seuls deux anciens sont encore à Goïtafla. De nombreux morts ont été enregistrés du fait de l'anarchie qui règne dans le centre de santé. Et les femmes, surtout, payent un lot tribut. Plusieurs d'entre elles ont perdu leur bébé à l'accouchement ou dans les jours qui l'ont suivi. Pendant que l'hôpital est malade, la morgue en face tourne à plein régime. La loi numéro 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales a permis à l'État de transférer certaines de ses compétences aux collectivités territoriales qui, en raison de leur position géographique, connaissent mieux les affaires locales. Cela permet ainsi aux populations locales, à travers les élus, de participer à la gestion des affaires locales. C'est dans ce cadre que l'honorable Gévens, député de Goïtafla, Irieffla, Maminigi, sous-préfecture et commune, s'est rendu dans les locaux abritant le centre de santé pour toucher du doigt ce que vivent les populations et trouver des solutions. Lors de sa rencontre avec les fonctionnaires de sa circonscription le dimanche de Pentecôte, ceux-ci ont dit ne pas comprendre son refus obstiné à signer les bons du mutuel. J'ai appelé le médecin que je voulais rencontrer parce qu'il y a beaucoup de griefs que j'ai entendus. Il m'a dit qu'il n'était pas dans la ville. Nous sommes allés tout de même visiter l'hôpital, interviewer, bon, si vous voulez, interroger certains patients et qui n'ont pas bien parlé vraiment de l'hôpital de Goïtafla. Non seulement les toilettes sont inexistantes, les salles sont, les salles de soins sont très sales. Et vraiment le décor n'est pas un centre de santé, franchement. Donc c'est pour cela que je dis que ce centre de santé est malade. L'infirmier m'a dit qu'il n'y a pas de comité de gestion. Donc il y a beaucoup à faire, il faut que tout ça soit corrigé. Dans ce désarroi, les habitants de Goïtafla n'ont plus d'autres recours. Ils en appellent à Raymond Godokofi. Ils veulent eux aussi bénéficier des progrès du système sanitaire impulsé par le président Alassane Ouattara.